Parisien, parisienne, bonsoir à tous. Petite vidéo pour aujourd'hui, encore la deuxième. Juste pour vous dire que voilà, demain il devait avoir le match Strasbourg-Paris Saint-Germain. Ça a été annulé à cause du coronavirus. Voilà, c'est la préfecture du Bas-Rhin qui a décidé donc de reporter ce match. On ne sait pas quand il va être reporté, mais en tant que supporter du Paris Saint-Germain, pour moi ça m'arrange, ça évite toute blessure pour le match face à Dortmund. Donc plus se concentrer au niveau du match face à Dortmund, donc les joueurs vont avoir du repos parce qu'ils ont joué mercredi, voilà, donc éviter les blessures, donc c'est une très bonne chose, certes. Après, quand le match va être reporté, enfin quand il, voilà, on se demande. Donc rester vraiment en comment, rester vraiment si vous avez des symptômes, restez vraiment chez vous confiné, voilà, lavez-vous les mains, toussez ou éternuez dans votre coude, voilà. Mettez un masque si vous sortez. Nous, plus jeunes, bah, on risque de moins l'attraper. C'est surtout pour les personnes plus de 40, voire 50 ans, voire 60 ans. C'est plus grave pour eux. Donc voilà, les regroupements de plus de 5000 personnes. Bah, un match de foot, c'est plus de 5000 personnes. Donc voilà, donc attention, peut-être le match face à Dortmund aussi va peut-être être reporté, on ne sait pas. Pour l'instant, c'est la préfecture du Bas-Rhin qui a décidé de reporter ce match. Donc voilà, ils prennent pas de risques. On verra si le match face à Dortmund sera toujours maintenu. Pour l'instant, oui. Pour l'instant, donc voilà. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Comme ça, les joueurs pourront se reposer. Sur ce, dites-moi en commentaire, vous, ce que vous en pensez de ce match qui est reporté. Voilà. Nous, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. C'était toi, nous. C'était juste une petite vidéo pour vous annoncer que le match est reporté entre Strasbourg et le Paris Saint-Germain. Sur ce, passez une très bonne fin de soirée à tous. Nous, on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo. Ici c'est Paris, et Paris, c'est magique.